Yep mes petits gentlemen, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment avoir de belles boucles dessinées. Bon, là, c'est pas forcément super le cas, même si tu vois que j'ai quand même de bonnes petites boucles. Je vais, comme pour la barbe, vous montrer que tout le monde peut avoir des boucles. Je pars d'une chevelure qui est comme ça, là, je te la montre, totalement lisse, plaquée en arrière. Et du jour au lendemain, je me suis dit, pourquoi pas tester les boucles? Est-ce que c'est difficile à faire? Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des belles boucles bien dessinées? Regardez pas mal de tutos là-dessus qui te parlent de bien dessiner tes cheveux, faire des permanentes, je sais pas quoi. Je n'ai absolument rien fait de tout ça. J'ai utilisé ma propre méthode, des choses que j'ai essayées de moi-même et qui ont super bien marché. Quand j'ai des boucles bien dessinées, ça donne ça et ça. De toute façon, je te montre et tu n'as qu'à aller voir mon Instagram. De toute façon, tu verras toutes les périodes capillaires que j'ai eues, on va dire. Je suis passé par absolument plein de phases, du court au long, au bouclé, au plaqué, à tout ce que tu veux. Sans plus attendre, pas de suspense, comme je te l'ai dit, moi, pas de permanente, pas d'entretien, rien de spécifique à faire, entre guillemets, à part deux choses. Un, c'est, on va dire, notre recette à nous, les Marocains, qu'on met un petit peu dans tout, etc. Tout simplement, l'huile d'argan. Tu vas me dire, mais comment de l'huile d'argan, ça peut faire boucler tes cheveux? Je ne sais absolument pas pourquoi, mais depuis que j'en mets, je l'utilise en fait tout simplement comme produit coiffant. Je vais te montrer de toute manière comment je l'applique. J'en mets un tout petit peu dans ma main. Et ce que je fais, c'est tout simplement de faire des mouvements de tapotement sur mes cheveux, histoire qu'en fait, les racines et le fond du cheveu prennent bien de l'huile d'argan. C'est quelque chose qui est assez gras. Du coup, ça a tendance à boucler tes cheveux. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais ça le fait. Donc, ça a un effet sur tes cheveux. Je ne sais pas pourquoi ça te le fait. Après, je tiens à te le dire, si tu as les cheveux extrêmement lisses, cette méthode ne marchera pas. C'est une méthode qui marche surtout pour les garçons qui n'ont pas non plus des grosses chevelures et qui peuvent essayer cette méthode-là. La première chose, avant de l'appliquer, tu dois tout simplement essorer tes cheveux comme il faut. Déjà, les nettoyer, enlever tous les résidus, etc., qu'il y a dans tes cheveux, parce que ça risque de ne pas marcher. Déjà que l'huile d'argan, c'est quelque chose d'assez gras, assez lourd pour ton cuir chevelu, il faut qu'il soit absolument sain lorsque tu l'appliques. De toute façon, tu as la vidéo là maintenant, des différentes étapes qui m'ont permis de bien définir mes boucles grâce à l'huile d'argan. Autre chose à te notifier, tu ne dois pas laver tes cheveux avec n'importe quel type de shampoing. Tu dois avoir un shampoing adapté. Du coup, tu dois bien sélectionner ton shampoing. Pourquoi? Parce que si tu commences à mettre n'importe quel type de shampoing, ça a tendance à abîmer tes cheveux. Et en plus de ça, enlever l'effet bouclette, bouclée. Au niveau du nombre de shampoings que tu fais aussi dans ta semaine, c'est quelque chose qu'il faudra bien réguler. Il est dit qu'il faut faire à peu près 2 shampoings par semaine. Donc tu vas me dire, mais c'est complètement crade. Mais je vais te donner une solution. Quelqu'un qui fait du sport comme moi, qui a tendance à beaucoup transpirer parce que je me la donne quand je fais du sport. Ouais, moi je fais pas que des snaps, etc. quand je vais à la salle ou quand je m'entraîne. Du coup, ce que je te conseille d'utiliser, c'est des masques spécifiques pour cheveux bouclés. Donc là, t'en as un. C'est pas très cher. Je l'ai acheté chez Action et il marche absolument bien. Ça a tendance à bien définir tes boucles. Justement, c'est un produit qui est fait pour les gens qui veulent boucler leurs cheveux ou qui veulent un effet bouclé au niveau de leurs cheveux. Et c'est tout simplement un masque protéiné aux œufs. Donc ça aura tendance à bien fortifier ta chevelure, ça évite la chute, les casses, etc. Avoir le cheveu super abîmé. Donc ça, c'est un produit que je te conseille. Si je retrouve la référence, comme tu dis, c'est un produit Action, normalement, tu es censé le retrouver dans tous les Actions. Je te le mets en barre de recherche ou je te le mettrai dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais tu peux avoir pas mal d'équivalents. Faut juste bien regarder la composition de ton produit et est-ce que c'est adapté à ton type de cuir chevelu. Donc comme je te l'ai dit, t'as pas forcément besoin de permanente ou devoir de faire des trucs de fou pour avoir les cheveux bouclés. Moi, c'est une chose que j'ai dû appliquer au fur et à mesure du temps. De toute manière, je te mets des photos. C'est quelque chose que tu dois faire assez régulièrement avant d'obtenir le type bien curly, bouclé comme ça. C'est quelque chose qui s'obtient dans le temps. Donc au début, tu vas avoir un peu quelques cheveux qui vont commencer à boucler. Tu n'auras pas tout, tu auras encore des surfaces lisses. Surtout, si tu es quelqu'un qui a un type de cheveux vraiment, vraiment lisse de base. Et au fur et à mesure du temps, à chaque réveil, à chaque application, tu verras qu'ils vont commencer à vraiment boucler. Et au final, tu auras quasiment même plus besoin de mettre d'huile d'argan ou quoi que ce soit d'autre. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas spécialiste dans la matière. J'étais juste d'une technique qu'on m'a conseillée et que j'ai utilisée. C'est un peu une recette de grand-mère et ça a vraiment super bien marché sur moi. Moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que j'utilise maintenant une ou deux gouttes que je mets dans mes cheveux de temps en temps et en fait j'utilise un peu comme produit coiffant. Tout le monde sait que c'est vraiment super nourrissant mais à la fois gras, donc faut pas non plus en abuser. Sur ce, je t'ai donné ma technique qui me permet d'avoir les cheveux bouclés. Comme je te l'ai dit, même si tu m'as connu et que tu regardes les premières vidéos, tu verras de toute façon que j'avais les cheveux extrêmement lisses et plaqués en arrière. Là, ces nouvelles coupes que j'ai essayé, j'aime bien, je trouve que ça me va bien. Du coup,
pourquoi pas essayer. Hein. Vous essayez, vous voyez si ça vous va, si ça vous donne un nouveau style. Sur ce que j'ai à te dire, c'est que ce n'est pas un produit miracle, ça ne marchera pas forcément avec tout le monde, avec tous les types de cheveux, mais c'est quelque chose qui a marché pour moi, donc pourquoi pas pour toi. Sur ce, si tu as kiffé cette vidéo, cette petite astuce, tu n'hésites pas à me laisser un like. T'as l'espace commentaire pour donner tes astuces à toi si t'as les cheveux bouclés et que t'as envie de nous partager la manière dont tu les entretiens, il n'y a pas de souci. Toujours l'espace commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma grosse tête. Bien sûr, c'est gratuit comme je le dis à chaque fois. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.